Ladies and gentlemen, c'est Zach Mesrine et aujourd'hui on se retrouve parce que vous savez très bien qu'on est aux 50 abonnés, 50 abonnés, 50 abonnés. Merci, bel organe. Non, franchement, qu'est-ce que ça vous fait pour vous, 50 abonnés? Est-ce que ça vous fait ça? Ou encore ça. J'étais d'accord avec vous sans même que vous vous en parliez. Donc, qui dit vidéo des 50 Qui dit vidéo des 50 abonnés? Oui, c'est du live et c'est du freestyle impro. Dit forcément que déjà 1000 merci, 1000 psartek, comme on dit en arabe, 1000 shukran, 1000 arigato sensei, 1000 thank you, 1000 merci, en français bien entendu, pour m'avoir soutenu. Et oui, on a réussi. Vive la révolution! Des 50 abonnés, oui, pour moi, c'est rien. Mais ça veut tout dire aussi. 50 abonnés, c'est 50 petits fous qui m'ont retrouvé autour d'une même chose. La dinguerie. Et oui. 50 abonnés qui ont trouvé en moi quelque chose de... De l'unité. Alors, première question. Pourquoi t'être appelé Zach Mesrine? Et bien pourquoi je me suis appelé Zach Mesrine? Tout simplement parce que je m'appelle Zacharia. Et Mesrine, parce que, bien entendu, le personnage Jacques Mérine, qui était l'ennemi public numéro 1 dans les années 70, donc, et qui avait une forte tendance à se déguiser, et surtout mettre les lunettes et comme ça, hein, tel un commando avec l'arme. Enfin voilà, et moi je me suis dit, tiens Jacques, Zach, ça y ressemble, pourquoi avoir fait une vidéo des 50 abonnés? Bah... Bon, maintenant on va répondre à des questions que des personnes, des viewers m'ont demandé d'y répondre. Eh bien tout simplement, je suis... Pas humain. Non, je suis un Algérien. On est tous nés comme ça en fait dans ma famille. On a les yeux défoncés à cause des essais nucléaires au Sahara pour pouvoir jouer avec des lunettes. Hein. Ça demande beaucoup de concentration. Je me rends compte que, vraiment que des jeux qui sont très bien, bah, quand j'enlève les lunettes, je me dis waouh, putain, il est encore mieux quand j'ai la teinte bleue, notamment Dark Souls 2. Pourquoi choisir des let's play sur des jeux aussi durs que Dark Souls et Demon's Souls? Eh bien, tout simplement, j'ai choisi Dark Souls 2 pour la bonne réponse que Dark Souls 1 m'avait beaucoup plu. Demon's Souls, j'avais entendu parler, mais Dark Souls 1, j'ai plus découvert. Patate et trouvé, car mon xylophone a mal, quoi. Encore une autre question de lui, décidément. Fais-tu pour ne pas faire de vidéos copier-coller d'autres youtubeurs? Tu prépares comment tout ça? Justement, je regarde avant de faire les tendances, je regarde sur les chaînes YouTube parce que moi aussi je suis abonné à des chaînes YouTube. Réfléchis pendant 10 à 15 minutes sur quel jeu je vais faire et pourquoi ne pas faire des jeux que les gens ne font pas quoi. L'ennemi public numéro 1, c'est moi forcément. L'ennemi public numéro 1 des jeux vidéo. J'essaie de calmer vos ardeurs. Voilà. Tu prépares comment tout ça? Sur YouTube, je cherche. Je cherche sur YouTube et si je vois que ça n'a pas été répertorié, bah... Allons-y. Et ça sera encore mieux. J'espère. Et j'espère que j'aurai changé d'endroit. Il y a des forums qui sont là pour présenter ton travail. Et il y a le forum des seigneurs qui est un forum d'entraide dont je suis partenaire et dont je suis membre. Bon,
Allez, vous voulez que je vous montre à... Vous voulez que je monte à 70 abonnés? Ok. Bah, je vous montre un téton. Bah quoi? Bah quoi? Quand on voit une, quand on voit une personne qui est comme ça, forcément ça monte en abonnés. C'est les mouches quoi, c'est les lampadaires. Allez, allez, c'est parti. Ouf. Allez, montez les abonnés, montez. Je vous interdis de refaire ça et de faire des copier-coller de ça. Je vous tue sinon. Que j'ai de lui, quels sont tes projets après avoir enfin tes 50 abonnés? Eh ben, j'y réponds de suite. Dans les prochaines semaines, je compte terminer le let's play de Bully. Et oui, Bully doit se terminer. Je ne peux pas. Il y a également un petit concept que j'avais exposé qui s'appelle Démocratie 3. La démocratie, c'est vous. Donc j'avais fait une vidéo, je vous invite à aller la voir pour ceux qui ne la connaissent pas, qui consiste à faire de la simulation de la démocratie. Et aujourd'hui, nous sommes le 25 mai 2014, c'est les élections européennes et c'est un sujet d'actualité qui est très passionnant. Un jeu de simulation, il y en a plein qui font des simulations d'arbres et tout, God Simulator, etc. Et pourquoi pas faire une vidéo sur de la démocratie? Personne n'en fait et je trouve ça bien dommage et je trouve que le meilleur moyen de faire de la simulation, c'est avec vous. Oui, parce que je répète ce que j'avais dit dans la première, dans la vidéo sur la démocratie se fait avec vous, avec le peuple. Des vidéos d'horreur. Oh mon dieu, il fait des vidéos de rêve. Ah là là. Mais ça va pas être drôle. Et si, c'est très drôle, puisque j'ai déjà fait un let's play sur Resident Evil Revelation, que je vous invite à aller voir en allant là. Tu vois, tu cliques sur la chaîne et tu verras. Pour ce qui est du chaîne humour ou chaîne. Non, j'aime bien être drôle comme être sérieux. Faut parfois péter dans la vie et parfois se retenir. C'est ce que je me dirais. C'est la phrase du jour. Bon, alors j'ai une question de d'une personne qui me dit: où as-tu acheté tes lunettes? Je ne dirai pas où je les ai achetées. Elles viennent du Liban. Elles viennent de Maxi Toys à 1,49€. Vous pouvez aller voir. C'est à quand remonte ton dernier séjour à l'Esquirol? C'est où ça? C'est quoi ça, l'Esquirol? Je vais voir ce que c'est, risque. Centre hospitalier Esquirol de Limoges. Il a vocation à prendre en charge les troubles psychiques à tout âge de la vie. Alors, pour répondre à cette question, ben, il remonte à jamais. Je suis un malin. J'ai toujours montré une autre de mes personnalités. Et je suis jamais passé pour un fou. Il n'y a qu'avec vous que je passe pour un fou. Et après, des gens sains d'esprit qui me disent t'es vraiment un taré. Je glitch les médecins. Alors, j'ai une autre question. Prends-tu régulièrement les cachets prescrits par ton psychiatre? Eh ben non, puisque je réponds à la j'ai répondu à la précédente question, je ne suis pas parti à l'hôpital psychiatrique. Je suis parti sur le forum des seigneurs et pour présenter ma chaîne et également aider les autres chaînes. Et j'ai trouvé franchement des perles rares. Oui, j'ai bien dit des perles rares. Des perles. J'ai deux catégories à vous présenter, hein. C'est très simple. Dans la catégorie sélection de chaînes, qui est présente sur ma chaîne YouTube, bien entendu, vous avez Fadjo. Fadjo 87 000. Qui est Fadjo 87 000? Eh bien, c'est un vieux youtubeur qui fait des montages vidéo de tout, que ça soit du RPG, que ça soit du combat, que ce soit de l'érotisme, que ça soit du banditisme, voilà, il fait de tout, mais du montage, mais al dente. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de rester scotché à votre écran, de vous prendre un petit soda, de vous prendre un petit paquet de popcorn et d'aller voir dès à présent cette vidéo. Non, je déconne, elle va pas être d'aller voir la vidéo puisque je vais vous la montrer.
Voilà, c'était un exemple de Fadjo. On applaudit bien fort Fadjo 87000. Et je vous invite bien entendu à aller voir sa chaîne parce que ça vaut le détour au niveau du visuel, bien entendu. Hein. Je vous invite dès à présent à regarder la chaîne de la NemTV. Alors, qui est la NemTV? Vous allez me dire, mais Nem, ça fait penser aux Chinois, Chinois conquérants du monde, voilà quoi, ils viennent, voilà, même sur YouTube, ça va être un YouTube chinois qui nous présente. Non, ce sont des jeunes français, ou des vieux français, assez âgés, mais qui maîtrisent au moins YouTube, la chaîne YouTube, puisqu'ils sont 6 YouTubeurs. Pardonnez-moi si je me suis trompé. J'ai honte. Si je me suis trompé dans le nombre que vous êtes. Vous êtes tellement nombreux, vous êtes comme la section d'assaut. Et vous, on sait plus combien vous êtes quand vous chantez. Donc ils font du gameplay sur des jeux multijoueurs. Et ils ont une force de frappe inouïe. Ils vous sortent des vidéos. T'en veux? Tiens! Tu veux un M? Tiens! Tu veux un rouleau de printemps? Tiens! Voilà! Et je plaisante pas, moi! Et voilà! Donc, je vous invite à voir ça, bien entendu. Hein, je vous la montre. Voilà, voilà. Et n'hésitez pas à aller voir cette chaîne, parce qu'elle vaut le détour. C'est original comme concept. Il y a Hunter qui danse. Non mais on regarde en haut de l'écran là-bas. Oui, oui, oui. Je serai sur tous les écrans du monde entier, Minus. Je sais comment je vais faire. Pendant que tu te propulses, je vais te stopper avec le truc, non? Ah ouais, pardon. Non mais... Ah ouais. Pardon. Je comprends très bien. Perso, c'est moi qui héberge la partie. Ouais, bah tiens. Ouais, je sens comme un petit soulèvement du groupe là. Qu'est-ce que je fais? Là, regarde ce qu'il fait mon perso Enter. Ah ouais, pas mal. Alors, l'idée un peu. l'idée. Oh, mais grâce, c'est grâce. Grâce à qui? Corel. Voilà. Ouais. à mon bug de glace, désolé. Hein. Non, grâce à Hunter et moi. Ah. Quoi ça là-bas? Mal. Oh, attention. Non. Ah yes. Oh, la chauve-souris, il est énorme. La chanson est quand même bien. Ah ouais. Oh, je remets mon petit bonbon, moi. Oh. Ah, tu fais du twist. Tu fais un gros plan. Ah ouais, le twist. Ah, c'est énorme.
Bien, on remercie très expressément l'Anem TV pour son originalité qui fait de YouTube un harem de la qualité, pas un harem de merde. bien entendu, il n'y a pas que l'Anem TV à présenter, ni Fadjo. Il y a également un youtubeur du nom de Seros. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Seros, c'est un youtubeur qui a 19 000 abonnés, ce qui n'est pas rien, et qui fait du let's play, et qui est assez drôle dans ses vidéos, je tenais à vous le dire. Oui, je trouve ça assez drôle. Et donc, s'il y a 19 000 personnes qui se sont abonnées à sa chaîne, c'est qu'ils le trouvent assez drôle, voilà, pour pouvoir le suivre. Et donc il fait du let's play sur des jeux d'horreur, etc. Comme la plupart, voilà. Et donc je vous invite à voir dès à présent la vidéo. Salut tout le monde, je suis Seros et bienvenue dans ce nouvel épisode un peu spécial, car je vais vous présenter aujourd'hui un jeu indépendant qui s'appelle Super Squat Simulator. Les cauchemars sont des fantaisies, ne regardez pas, ils n'existent pas. Ah ah, oh putain. Eh ben tu sais quoi? Tu te démerdes ma petite. Qui t'a dit d'aller dehors à cette heure-ci? Hein? Je vais quand même pas aller te chercher. Si? Faut aller là-bas. Mais vous savez quoi? On a dit qu'on tournait toujours à droite, donc on va respecter une bonne fois pour tout ce qu'on dit. Sérieux quoi? Oh! 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 Voilà, on applaudit bien fort Seros. Big up à toi Seros, Réunionné. Jezaïel. Voilà, bref. Pour ce qui est du let's play, je vous invite aussi à cliquer sur sa chaîne et à vous abonner à sa chaîne. Bien entendu, Fadjo et l'Anem TV sont obligatoires. Vous êtes obligé de vous abonner, c'est pas possible sinon. Si je vous présente des trucs qui sont dans la catégorie sélection de chaîne que j'aime, c'est que ça vaut le détour. Ensuite, nous avons Cœur de Joueur. Cœur de Joueur, c'est un jeune youtubeur originaire de YouTube qui nous présente des jeux rétro duo. Je sais pas si ça se dit. Non, des jeux rétro. Voilà, des jeux que même moi je n'y ai pas joué et que j'ai pas envie d'y jouer parce que ça fait un peu peur les jeux quoi qu'ils présentent. C'est vraiment des perles rares quoi. Et donc je vous invite vraiment à aller le voir. Il s'exprime très très bien au niveau des commentaires. Comme les autres chaînes, bien entendu. Et je trouve que c'est très intéressant de voir des youtubeurs qui se démarquent. Voilà, qui font pas la même chose que les autres. Salut tout le monde et bienvenue dans ce 4e épisode des Trésors Oubliés. Aujourd'hui, je vais me faire plaisir, on teste un de mes genres de jeux préférés avec les RPG. Un jeu de baston et pas n'importe lequel, un ovni. Un jeu qui n'a encore aujourd'hui pas son équivalent. Bienvenue dans le clan Kage, bienvenue dans Bushido Blade. Théoriquement, chaque faux pas peut vous coûter la victoire, ce qui crée une tension tout le long du combat et à chaque erreur. En plus des coups mortels, vous pouvez aussi blesser votre adversaire, soit au bras, ce qui ralentira ses attaques, particulièrement s'il est équipé d'une arme lourde, soit aux jambes, ce qui réduira considérablement sa mobilité et il empêchera de monter aux plateformes, ce qui peut donner de sacrés coups de pute. Bien, on applaudit Cœur de Joueur pour cette petite présentation. Un youtubeur
lui aussi âgé. Putain, les gens ils vont me dire, mais putain, tu ne présentes pas des jeunes, tu ne présentes que des vieux. Même s'ils sont pas vieux, hein, ils sont âgés. Âgés, mais dans le sens mature, quoi. C'est aujourd'hui, ça sera soldat GG. Oui, soldat GG. Et oui, c'est pas de la merde. Qui te présente également des jeux rétro, mais aussi les consoles rétro. Et pour ceux qui ont connu la Master System, la Sega. Sega. Attends, comment il faisait? Sega. C'est plus fort que toi. Ou les Dreamcast et tout. Et ben lui, il a toutes les consoles et il les présente. Et il en fait des trop pas sorciers. Je vous invite à aller voir toutes ces catégories de vidéos. Parce que ces vidéos, c'est comme les autres. Ça se consomme, mais tu peux vomir et le reprendre sans souci, quoi. Tu vois. Salut toi, moi c'est Soldat GG. Dans cette émission, on va parler de jeux vidéo dans une ambiance conviviale avec un présentateur sympa. Si je suis sympa. Puisqu'il s'agit de tester des jeux vidéo, inévitablement, je vais devoir mettre d'un côté ce qui est dégueulasse dans le jeu et de l'autre ce qui est dégueulasse dans le jeu. Je te propose de commencer tout de suite avec un beat'em all où il y a du sexe et du sang. Beaucoup de sang. Tu vois, je suis sympa. Ouais, je vous en parlerai peut-être de celui-là. Pour que tu comprennes bien ce que c'est que Bayonetta, je vais te faire un dessin. Tu prends Dante de Devil May Cry pour le style, la baston et le sang. Tu lui ajoutes Sailor Moon pour les musiques débiles, les émotes bisounours et les jupes à la moule. Le tout interdit au moins 18 ans, ça te donne Bayonetta. Un jeu à l'univers décalé où une sorcière survoltée ultra sexy va devoir se battre à coups de gros calibre et bisous contre des anges qui en venant la chercher vont découvrir ce que ça fait de saigner. Enfin, je vous invite à vous abonner encore à ces chaînes parce que franchement, ils sont trop bien. Et également, je vais présenter rapidement des jeunes youtubeurs. C'est la catégorie espoir, jeune espoir YouTube, puisqu'il y a des youtubeurs comme Slayfail, comme Ganja, comme Goldwyn, comme TF Movies. Oui, TF Movies, qui sont des, comment dire, des rockers, des jeunes qui en veulent, quoi. Comme moi, puisque je suis un jeune youtubeur. Pas mais qui. Je commence à me faire vieux pour ces conneries. Voilà. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures. Là où il y a de la testostérone et de la connerie, bien entendu. Sur ce, ladies and gentlemen. Oui. Même si on est... Là, je vais entendre 50 ladies and gentlemen. Oui, oui, je vais entendre 50 ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs. Oui. Je regarde mon clavier, mais je sais pas pourquoi je regarde mon clavier. Au revoir.